never had no home my own, just the fields that lay around. As my life goes tripping on, I'll make some friends but must move on, move on. Freedom is on a rainbow, my boy. Take a ride, find your rainbow, my boy. From nowhere one day, and you said you like to stay. All day long we ride and ride, and all together side by side, you and I. Freedom is on a rainbow, my boy. Troubles, all my strife, try to build a better life to live, to live. Grumbles round in haste. Man's the king of all his years, and my kingdom is my horse. Kingdom in the sun that day. Freedom is on a rainbow, my boy. All my troubles, all my strife, try to build a better life to lead, to lead. Round the front. Oui, monsieur. Je m'appelle Jamie Weiner. Je cherche du travail. Tu cherches ça dans de drôles d'endroits. Tu t'es enfui de chez toi, petit? Non, monsieur. Si tu veux descendre, je suis en train de faire la cuisine. Monsieur, je ferais peut-être mieux de me remettre en route tout de suite. C'est que je suis pas rendu. Il n'y a aucun endroit tout près d'ici où tu puisses te rendre. Je dois aller à Machrange. Et il faut absolument que j'aille jusque-là. C'est trop loin, tu n'y arriveras pas ce soir. Et là-bas, t'es attendu? Non, monsieur. Sache que personne ne s'assoit à cette table sans avoir apporté son manger. Tu trouveras de la paille et une lampe dans l'écurie.
Et tâche de pas foutre le feu. Sinon, je te fais rôtir sous la cendre. Faire rôtir. C'est un vrai truc d'Indien, ça. Après, tu me fais pas peur. Faut pas trop. C'est pas le genre de mouflet que j'ai l'habitude de manger. Surtout quand j'ai un bon quartier de bœuf qui pend dehors. Si malgré ça t'as encore peur de moi, t'as qu'à prendre ton baluchon et aller dans la grange. Bien qu'à mon avis, il fasse nettement plus chaud ici. Excusez-moi, monsieur. C'est Chino. Oui, monsieur. Je me suis fait foutre en l'air par un cheval sauvage. Faut croire que ça m'a pas servi de leçon. Je continue à faire ce foutu métier. T'as déjà dressé des chevaux? Non, monsieur. Arrière! Oh, 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 oh! Arrière! Un pas en arrière! Vite, un pas en arrière! Dépêche, dépêche, un pas en arrière! 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 Oh, oh, en arrière! En arrière! Dépêche-toi, dépêche-toi, un pas en arrière! Oh! Oh! Voilà, bravo! Bon cheval! Oui, il est bon! Encore un pas en arrière! Oh! Oh, oh, oh. Bonjour. Je te croyais déjà sauvé, tu vas être en retard. Faut que je nettoie un peu. Petit, je peux pas te payer pour ton travail. Je voulais vous dédommager pour le lit et le souper. Petit, si tu laissais ton cheval se reposer toute la journée, je te donnerais une monture et tu viendrais avec moi. Je dois faire rentrer une jument. Oui, monsieur. Celui-là, c'est Buck. Monte dessus. Quoi, il te fait peur, le vieux Buck? Non, monsieur. Bon, alors décontracte-toi. Va faire un petit tour avec lui. Thank you.
Eh ben, tu t'es pas laissé désarçonner. Il est vraiment gentil. Le vieux bug, gentil. Ça dépend comment il est luné. C'est un pur Mustang, mon gars. J'ai pas eu l'air de lui déplaire. Petit, on est quel jour? Mercredi. Il y a un client que j'avais complètement oublié. Il faut que je conduise des chevaux à la ville. Je peux vous aider? Pas besoin. J'aimerais tant monter Buck encore un peu. Bon, en attendant, retire-toi du passage. $100, Chino, ça te va? Buenos días, Indio. Ricardo. S'il vous plaît, Monsieur Johnson. Ricardo. Merci. Bien. Salut, le moine. Nom de Dieu, Chino, t'es arrivé depuis 5 minutes et déjà... J'ai entendu ce qu'il m'a dit. Non. Qui c'est? Un enfant perdu, il s'appelle Jamie. Mm-hmm. Le moine, gardez-moi ça jusqu'à demain matin. Tu restes dormir en ville? Oui, je suis un peu fatigué et puis surtout j'ai soif. Petit, emmène les chevaux à l'écurie d'Hurlet. Après ça, achète-toi de quoi bouffer et rejoins-moi au Eagle Bar. Ne fais pas de grabuge, je t'en prie, Chino. Je ferai de mon mieux. En tout cas, vous pouvez pas dire que je viens souvent en ville. C'est vrai, c'est une chance pour nous. Pour toi aussi, d'ailleurs. Tu travailles pour lui, mon gars. Si on veut. Si tu restes avec Chino, je te ferai pas d'ennui. Tu sais qu'il existe une loi sur ce territoire pour les petits-enfants qui ne sont pas en état de se débrouiller tout seuls. Je sais très bien me débrouiller tout seul.
mon Chino, non, je t'en prie, pas ici, non, non, va ailleurs. Je viens à peine de finir de réparer les dégâts occasionnés par ta dernière bagarre. Enfin, il y a d'autres bars dans la ville. Oui, mais tu vois bien que cette fois, je suis tout seul. Oh non, je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie, je t'en supplie. Prends ta bouteille et sois gentil, va la boire où tu voudras, mais ailleurs qu'ici. Je m'assieds bien peinard dans un coin, je la bois et je m'en vais. Bien le bonjour, messieurs. Je crois que tout compte fait, je vais aller boire ailleurs. Ça suffit maintenant. Fiche le camp tout de suite. Voilà pour les dommages. J'étais seulement venu boire un petit coup. Et comme d'habitude. Qu'est-ce qui s'est passé, Gino? Viens, on retourne au ranch. C'est une chance que j'étais là pour vous aider. Il m'est arrivé des dizaines de fois d'emmener plusieurs chevaux en ville sans l'aide de personne et que tout aille bien. Mais enfin, tu m'as quand même donné un bon coup de main. Maintenant, pour aller à Nash Ranch, tu descends tout droit le canyon qui est devant toi. Un peu plus loin, tu trouveras une fourche. Tu iras sur ta gauche. Au bout d'un petit moment, tu trouveras des traces de chariots. Tu les suis et puis tu arrives tout droit. Vous savez, Chino, je pourrais pincer les chevaux et faire aussi les litières. Ça vous laisserait plus de temps pour les choses importantes. L'hiver approche. Va falloir vous chauffer. Je pourrais fendre votre bois. Petit, un jour de repos supplémentaire, ça ferait peut-être pas de mal à ton cheval. Qu'est-ce que t'en penses? Sûrement, monsieur. Oh, assez, oh, descends de là tout de suite. Je suis pas d'humeur à rigoler pour l'instant. Tu veux travailler, tu vas remettre la selle de Buck à sa place. Qu'est-ce que c'est que cette jument qu'on va voir? Une poulinière. Elle doit être à terme. Faut que j'arrive avant qu'elle mette bas. Tu fais ça pour toutes tes juments? Foutre non. Mais celle-ci, c'est pas pareil. C'est une Mustang? Tout ce qu'il y a de pur. Des muscles d'acier, et modelés comme un barbe. Mince! Tu devrais attraper celui-là. Celui-là, c'est Flag. C'est toute ma fortune. Je l'ai élevé depuis sa naissance. C'est un magnifique cheval. D'après son pédigré, il est originaire d'Angleterre. Je parie ce qu'on veut que ces juments se sont groupées là derrière. Ça t'intéresse d'aller voir? Grimpe sur cette crête, mais fais attention, tu pourrais leur faire peur. Elles sont un peu sauvages avec les étrangers. Thank you.
La jument n'est pas ici. Je vais essayer de retrouver sa trace. Ça ira, tu crois? Oui. C'est un mâle. Il me fera un joli étalon. Il fait comme si t'étais sa mère. Je crois bien que c'est ce qui va se passer. Elle a été accidentée. Prends ta couverture et étale-la devant le foyer. On y est, mon gros. Ça va te faire un bon lit. Fais du feu et fais réchauffer un peu de lait. De Banner. J'ai envie de l'appeler Banner. À moins que tu aies une autre idée. C'est un joli nom, Banner. Oui, ça lui va très bien. Allons-y, mon petit gars. Il n'a pas besoin d'autre chose pour l'instant. Ça se voit que tu n'as pas l'habitude de donner le vivon. Oui, tu as raison. Il m'a fallu 3 ans pour payer Flag. Le sang qui coule dans les veines de ce poulain, c'est le fruit de tout mon travail. C'est la récompense des mauvais jours que j'ai eu à passer. Toutes ces villes où j'étais mal reçu. Ce sera moi, ça, maman. Mais ne raconte ça à personne, sinon je t'attrape et je te coupe les 2 oreilles. Gracias. Je voudrais voir Maral. Je suis Catherine Maral. Que désirez-vous? À moins que vous ne préfériez l'attendre. Vous êtes sa femme? Non, je suis sa sœur.
Vous ne vous ressemblez pas tellement. C'est que, voyez-vous, monsieur... Valdez. Monsieur Valdez, je ne suis que sa demi-sœur. Notre père s'est marié deux fois. Ma mère était anglaise. Oui, comme on dit, on choisit ses amis, mais on ne choisit pas sa famille. Oh, mais qu'avez-vous contre mon frère, au juste? Qui est là? C'est vous qui avez posé cette clôture? Oui. Pourquoi? Une de mes juments s'est collée sur vos saloperies de fil de fer et s'est complètement esquintée. J'ai dû la battre. Au début du printemps, je sors une centaine de têtes de bétail dans les nouveaux pâturages. Alors je veux que le terrain soit clôturé. Vos barbelés empêchent mes chevaux d'aller sur leur territoire. C'est ma clôture et c'est ma terre. Cette terre appartient à la communauté. Pas d'après le dernier relevé. Mes concessions s'étendent jusqu'à une ligne située à 25 km au nord d'ici. Et si ça ne vous plaît pas, je vais encore bien vous racheter à bon prix vos chevaux et tout votre matériel. Vous m'avez compris? C'est vrai ce qu'il dit à propos du relevé? Oui. J'en ai peur. Monsieur Valdez, accepteriez-vous de me montrer vos chevaux? Quoi? Vos chevaux, est-ce que je pourrais venir les voir? Pourquoi faire? J'adorerais monter pendant mon séjour et on dit que les vôtres sont les meilleurs. J'aimerais en acheter un. Alors venez, j'ai votre affaire. Bonjour, monsieur Valdez. Me voilà. Oui, c'est ce que je vois. Je vois aussi que vous avez amené votre nourrice. Quel magnifique cheval. Elle s'appelle Paloma. Je peux l'essayer? Ben, c'est une bête qui est au pâturage depuis un mois. Il va peut-être falloir que... Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Eh bien, vous le voyez, c'est une selle d'Amazon. Une selle de quoi? Ah, parce que vous vous imaginez pouvoir tenir en équilibre là-dessus? Oui, monsieur Valdez, c'est tout ce qu'il y a de plus facile, regardez. Ma cuisse droite repose sur ce crochet et ma cuisse gauche passe par-dessous celui-là. C'est très gracieux de monter de cette façon, vous verrez. Pas avec un de mes chevaux, vous n'y arriverez jamais. Mais je porte une jupe. Comment voulez-vous que je fasse? Si vous voulez, je vous prête une autre selle, mais il faudra changer de vêtements. Merci, monsieur Valdez. À bientôt. Je tâcherai de trouver une tenue qui vous plaise. Au revoir, Jamie. Au revoir, madame. Nourrice. Come on.
Elle devrait éviter de parler de ça. De parler de quoi? Quand elle dit... mes cuisses. Et alors? Qu'est-ce qui te tracasse là-dedans? Elle a deux cuisses, que je sache. Sans doute, oui. Mais ce ne sont pas des mots qu'une jeune fille de la haute société comme elle doit dire sans avoir honte. Pourquoi? On s'attend pas à ça. Je trouve que c'est pas poli. Et un homme aussi doit faire très attention à ce qu'il dit devant une dame. Mais sacré nom de Dieu, comment veux-tu apprendre à une dame à monter à cheval sans lui indiquer comment elle doit placer ses jambes et ce qu'elle doit faire avec ses mains? D'accord. T'as le droit de faire allusion à ses mains. C'est de ce qu'il y a sous ses habits qu'il faut pas parler. Je dis Sam, je suis pas tellement préoccupé par les femmes, de toute manière. J'ai autre chose à faire dans la vie. Ah oui? Pas toi? Oh, si. Mais j'avoue que ça me travaille quand même un peu, certains jours. Pas moi. D'ailleurs, j'ai pas l'intention de me mélanger avec cette race-là. Tu sais, ce que les hommes disent et ce que les hommes font, ça n'est jamais exactement la même chose. Allez, viens, on a du boulot. Quand j'aurai réussi à monter sur cet abruti, tu pousseras la barrière. Oui, monsieur. C'est foutu, Mariko, et moi, je crois qu'on fera jamais bon ménage. Qu'est-ce que tu vas en faire? Tu vas le dresser? Tu sais ce que ça représente, petite, dresser un cheval. C'est lui faire comprendre qu'il a pas le droit de te foutre en l'air, non? Non, ça s'arrête pas là, parce que quand vraiment t'es arrivé à dresser une bête, tu lui as enlevé tout son punch, tout son courage, et ça lui coupe les jambes. Je ferai jamais une chose pareille à un cheval de Valdez. Je crois plutôt que lui et moi, on a quelque chose l'un contre l'autre. Mince, t'as des tas de cicatrices dans ton dos. Où tu l'as eu, la grande, au milieu? Oh, si je te le dis, tu me croiras peut-être pas. Mais si je te croirais? C'est que c'est une drôle de chose à raconter. Comment sais-tu d'avance si tu me croiras ou non? Quand tu dis une chose, c'est toujours la vérité. Oh, tu sais, il n'y a que les imbéciles qui se fabriquent une opinion avant de savoir de quoi il s'agit. A toujours été qu'une bande d'Indiens un jour m'a volé des chevaux. Alors je suis allé les rechercher et pendant qu'ils galopaient derrière moi, je suis tombé de mon cheval. Et ils m'ont passé dessus. Pourquoi ils t'ont pas tué? Sans doute parce que j'étais copain avec eux.
Bonjour. Elle est prête. Je l'ai fait travailler pendant 2 heures pour la fatiguer un peu. Voilà, vous pouvez monter. Non, vous n'aurez pas besoin de ça. Mais c'est pas croyable. Cette fois, vous vous êtes mise en pantalon. Monsieur Valdez, voulez-vous m'aider, je vous prie? On ne comprendra jamais qu'on veuille faire du cheval quand on n'est même pas capable de monter dessus. Allez, tournez maintenant. Plus lentement. Mademoiselle Maral, vous n'êtes pas un morceau de bois. Vous n'êtes pas non plus un sac de pommes de terre. Vous n'êtes pas assise sur un vieux canasson de louage. C'est un cheval de Valdez que vous avez l'honneur de monter. Faites des bons là-dessus comme un véritable paquet de linge sale. Ça fait une drôle d'impression d'être à Califourchon sur un cheval. Si ça vous gêne tant que ça, arrêtez-vous. Bon, première chose, pensez toujours à bien serrer votre cheval avec vos... Comment vous appelez ça? Mes genoux. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ce sont mes jambes. Et ça? Quoi? Ça. Ah, vous le voyez bien, mon dos. Toutes ces parties de votre corps sont couvertes? Oui, bien sûr, elles sont couvertes. Qu'est-ce que vous diriez si je vous parlais de vos cuisses? Vous moquez-vous de moi, monsieur Valdez? Non, absolument pas. C'est le petit qui me raconte des bêtises, il faudra que j'en reparle avec lui. Donc, j'étais en train de vous dire de serrer votre cheval avec vos genoux. Ensuite, vous portez tout votre poids sur vos jambes. Allez, essayez encore. Oui, je me sens plus à l'aise comme ça. C'est pas l'impression que vous donnez. Vos genoux, tout votre poids dans vos jambes, allez-y, allez-y. Oh, c'est terrible, terrible. Vous continuez à rebondir comme un ballon. Je ne peux pas faire autrement. Je dois reconnaître que vous avez tout ce qu'il faut pour ça dans le bas du dos. Décidément, les femmes ne sont pas faites pour monter à cheval. Monsieur Valdez, vous êtes grossier, tout à fait stupide et vulgaire. Vous n'êtes pas un homme digne de ce nom. Vous n'êtes qu'un cheval. Cruz se chargera de venir prendre Palma. Jamie, je suppose que tu as toujours envie de trouver du travail dans un des ranchs des alentours. Mais il faut que tu saches que l'époque de l'embauche est passée. Je me suis habitué à t'avoir avec moi. J'aimerais bien te garder. Je te paierai 10 dollars par mois. 10 dollars? Ouais, c'est pas assez. Tu verras, Tino, je le mériterai. Merci. Dis donc, Chino, dans 2 semaines, c'est Noël, tu le savais? Oui. On devrait faire un arbre. Un vrai arbre de Noël. Un arbre de Noël? Ouais. Dans ta famille, on faisait jamais d'arbre? Jamie, là où vivait ma famille... Dis-toi bien que les arbres n'étaient pas assez nombreux pour qu'on puisse se payer le luxe d'en abattre un. Ah.
a pas à dire, en dehors de la moustache, Monsieur Valdez, vous ressemblez tout à fait à un cheval. Vous faites autant de bruit qu'eux. D'ailleurs, vous avez une façon de vous frotter le dos qui évoque irrésistiblement ces animaux. Je sais. Vous n'avez qu'à faire demi-tour et vous en allez. Oh, ne comptez pas là-dessus, Monsieur Valdez. Je n'ai nullement l'intention de renoncer à votre compagnie avant d'avoir pris une tasse de thé. Il n'y a pas de thé dans la maison. Du café, alors. Ne vous occupez pas de moi, Monsieur Valdez. J'ai déjà vu des chevaux en train de patauger. Continuez à vous baigner. Vous êtes tellement drôle. Ah, vous trouvez? Bon. J'ai terminé. Si vous voulez me passer la serviette. Oh, vous n'y songez pas. Votre dos n'est pas du tout bien lavé. Attendez, laissez-moi faire. Petit! Jamie! Vous n'avez pas peur de moi, j'espère, Monsieur Valdez. Si vous continuez à m'appeler Monsieur Valdez, je vous fais basculer dans cette cuvette avec moi. Oh, vous feriez ça. Quel nom voulez-vous que je vous donne? Cheval. Mademoiselle Marral, qu'est-ce que vous êtes venue faire ici? Mon frère m'a offert une selle de toute beauté et je l'ai apportée pour que vous la voyiez. C'est tout? Ben, non. J'ai aussi quelque chose à vous demander. Je désirerais continuer mes leçons d'équitation. Mais si mon cas est aussi désespéré que vous le disiez, il est peut-être inutile que je m'entête, vous ne croyez pas? Pourquoi? Qui a dit que votre cas était désespéré? Non, j'ai seulement dit que c'était terrible. Alors c'est entendu. Je suis très contente. Je vous autorise à sortir du bain. Je prépare le café et nous allons parler de tout ça. Amusant, il obéit à votre sifflet. C'est un cheval que j'ai élevé depuis sa naissance. Il vous arrive de le monter? Il y a parfois des chevaux qui ne sont pas faits pour être scellés. Je vous écoutais, j'aurais du mal à la rattraper. Faites-moi plaisir. Fasse ce que j'ai à faire. Je vais vous laisser rentrer toute seule. Dommage, Gino, je le regrette. J'arrive pas à comprendre votre retournement. Bon, en tout cas, il faut que je la ramène jusqu'au gros du troupeau. Bien. Je souffrais de voir sa frayeur. J'avais l'impression d'être dans sa peau. C'est curieux, je trouve que vous ne ressemblez en rien à votre frère. Si c'était le cas, j'aurais pas autant de sympathie pour vous.
Joli poulain. Il a fière allure. C'est le premier, hein? Le premier depuis que je suis dans ces pâturages. En somme, vous prenez racine dans la région. Eh oui, tout arrive un jour ou l'autre. Le bon sauvage, l'homme des bois qui se bâtit sa maison. Bientôt, vous aurez des rideaux aux fenêtres. Vous vous plaisez ici, hein? Ben, l'herbe y est bonne, l'eau aussi. Venons-en au fait, Marle. J'y viens. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Il est exclu que vous et ma sœur vous revoyez. Qu'est-ce qu'elle est allée vous raconter? Rien du tout. Je sais ce que je sais. Si tu essaies de la revoir, je fous le feu à ta baraque et je te fais déguerpir en vitesse. Si c'est tout ce que vous aviez à dire, je m'en vais travailler. Chino, aussi longtemps que tu seras sur ma terre, tu feras ce que je te dirai. Si tu continues à tourner autour de ma sœur, je te règle ton compte. Vamonos. Allez, viens ici. Petit, va donc sceller les chevaux. On va aller faire une balade. Tâche de faire attention à tes fiancés.
C'est comme ça que les Indiens honorent leurs morts. Ils préfèrent être exposés au soleil que d'avoir de la terre plein la figure. Mets-toi à l'abri avec les chevaux. Dépêche-toi. ¿Dónde vas? Eche, cheve, chemi. ¿Yeme? Celui-là, c'est Grand Ours Brun. J'arrive à le mettre à terre à chaque fois, mais il ne renonce jamais à tenter sa chance. Nehuta ta na korada na. Tere panawa. Dode ba. Acha cheve, Jamie. Jimmy. Epe ha. Si tu les laisses te tripoter, t'es foutu. Ils ne voient pas souvent des cheveux blonds. Il y en a même qui croient que ça porte bonheur. Quand les chevaux seront déchargés, tu iras leur donner à manger. J'ai du boulot, moi.
salut. Moi? Jamie. Jamie. Oui. Toi, c'est comment? Ah oui, c'est chouette comme nom. C'est très joli. Très, très joli. Ouais. Tu veux qu'on change beaucoup tôt. De l'âme, tu vois. On change. Compris. Échange. Ewanash. Tu peux entrer, petit. J'arrive pas à dormir avec eux. Quand je pense que les Indiens sont réputés pour être des gens silencieux. Allonge-toi sur cette banquette. Merci. Chino, ce sont ces Indiens-là qui t'ont passé dessus l'autre fois? Non, d'autres qui leur ressemblent. Et qui vivait avec cela. Le jour où ça s'est passé, il y a de ça bien longtemps, j'arrivais du nord du Texas. Je cherchais du travail, comme toi le soir où t'es arrivé chez moi. Je traversais un coin accidenté, je suis tombé sur une bande de Cheyennes. De la façon dont ils m'ont invité à rester avec eux, j'avais pas le choix. En somme, ils t'ont capturé? Bon, on n'a jamais su exactement ce qu'il en était. Ce qui est sûr, c'est que j'aimais leur façon de vivre. Alors je suis resté, et on est devenus amis tout de suite. Pourquoi tu les as quittés? Jamie, les Indiens sont en danger. Sous peu, il n'en restera plus beaucoup de vivants. J'aurais subi le même sort. Ce que je voulais, c'était une place à moi tout seul. Aujourd'hui, je l'ai. Alors j'essaie de pas oublier. Je reviens ici de temps en temps et je fais ce que je peux pour les aider. Chino,
Combien de temps on va rester? On s'en va demain matin, à la première heure. Merci. 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 C'est des mocassins. Je le vois que c'est des mocassins. Oui, j'ai donné à la place mon canif. Celui qui était tout neuf. C'est une petite indienne qui les a fait elle-même. Tu penses grandir encore un peu, hein, Jamie? Oui, tiens. D'ailleurs, tu grandis tous les jours, non? Ben oui. Alors tu peux les mettre. Allez, ton arbre. Oh, dis donc. Et va dans te débarbouiller, on se tire en ville. C'est la reconstitution d'un événement qui s'est passé il y a bien longtemps. Tu vois les deux statues là-bas? C'est Joseph et la Vierge Marie. Ils cherchent un asile. Le petit Jésus va bientôt naître. Sara te pido, amado casero. Conozco una noche la reina del cielo. Mi esposa María, la reina del cielo. Pase madre del divino verbo. Eres tú, José. Tu esposa es María. Entren peregrinos, no los conocía. Je te laisse te promener, trouve-toi des copains. On a très peu de temps, écoute-moi. Ton frère est venu au ranch et on a parlé. Je sais tout, Chino.
Il s'oppose à ce qu'on se voit. Oh, ça m'est égal. Catherine, j'ai bien réfléchi. Et j'ai pris une grande décision. Toi et moi, il faut qu'on se marie. Oh, Gino. Surveille l'autre porte. J'ai parlé au prêtre, j'ai tout arrangé. Et maintenant, va-t'en. Rendez-vous à l'église le lendemain de Noël. Va. Foutez-moi tout le monde en tôle! Tu ferais mieux de retourner au ranch, petit, et de t'occuper des chevaux. Parce que ton ami Chino va être mis en lieu sûr pour un petit bout de temps. Gino! Le shérif m'a laissé sortir pour Noël. Je tombe mort si je mens. J'ai vu un ou deux arbres de Noël dans ma vie, mais jamais un plus joli. J'ai quelque chose pour toi. C'est moi qui l'ai fait. C'est du drôle de beau travail, ça, Jamie. Moi aussi, je t'ai apporté quelque chose. Oh. Oh, poil, dis donc, il est 150 fois plus joli que mon autre canif. On va se taper un Noël drôlement chouette. Je te parie que c'est moins bien chez Maral qu'ici. Malgré tout ce qu'il a comme fric, son beau château et tout le reste. Oui, cette cahute n'est pas très grande, mais elle est solide. Et c'est moi qui l'ai construite tout seul. À présent que je vais me marier... Te marier? Oui. Je vais épouser Catherine, Jamie. Bientôt, tu me verras avec une famille à élever en plus des chevaux. Ça veut dire que tu vas aller chez Maral et que tu vas y vivre? Pourquoi veux-tu que je fasse une chose pareille? Ben, tu vas pas nous l'amener? Bien sûr que si. La femme doit suivre son mari. D'accord, il faudra faire quelques petites transformations. Bon, il y a juste à ajouter une pièce ou deux à la maison. Et puis j'achèterai une grande cuisinière avec un four pour qu'elle puisse faire dorer des petits plats autant qu'on en voudra. On mettra deux carpettes en peau de bête sur le plancher. Ah, évidemment, il faudra un lit plus grand. Et comme elle porte que de la lingerie fine, elle n'aura pas à faire bouillir. Donc cette cuvette lui suffira. Je lui achèterai une nouvelle planche à laver. Avec une essoreuse perfectionnée. Il faudrait peut-être que je rentre ma chaux à l'écurie, moi.
Où est Chino? J'ai rendez-vous ici avec lui. Retourne à la maison, Catherine. Et renonce à ce mariage. Tu n'es que mon frère et tu n'as pas à me dicter ma conduite. Si tu insistes, je le tuerai. Alors à toi de choisir. N'oublie surtout jamais ce que je vais te dire. Désormais, je serai seule maîtresse de ma vie. Padre. Il faut me pardonner, mon père. Ça suffit. Si je te retrouve demain sur mes terres, je te fais fouetter par mes hommes, jusqu'à ce que tu en meures. Chino! Venez. Je vais chercher le shérif. Je vais chercher un docteur. Conduis-moi jusqu'à la voiture. Yeah.
Qu'est-ce que tu... Je croyais que t'étais mort. J'ai la vie dure. T'as bien fait de me conduire ici. Tu vas partir au ranch tout seul. Tu m'y attendras. J'ai retrouvé ton chapeau en ville, je l'ai rapporté. Qu'est-ce que t'as l'intention de faire? Ben, pour l'instant, je vais me faire une tasse de café. Et demain, on se remettra au boulot. Mais à propos de ce qu'il disait, que si tu restais ici, ils te chasseraient, même qu'ils te tueraient. Non, ils n'oseront jamais. Dis-toi que j'ai quitté un tas d'endroits au cours de ma vie, mais jamais contre mon gré. Oh, c'est honteux ce qu'ils t'ont fait là, ils auraient pas dû... Jamais. C'est fini, ne parlons plus de ça. Sois tout à fait tranquille. Chino, qu'est-ce qu'ils ont? Il se passe quelque chose d'anormal. C'est un avertissement, l'Indien! La prochaine fois, ce sera ton étalon! Rentre à la maison et prépare ton baluchon. Voilà les talons. On l'aura quand même. Avec moi.
Encerclez-le. Tire sur ses chevaux. Non. Il veut seulement leur faire peur. Garder, alors il préfère les chasser. Maral ! Je m'en vais ! Laissez-moi faire et je le descends comme un chien. Baissez vos fusils. C'est inutile. Jamie, je te laisse, Buck. Mais n'oublie jamais que c'est un cheval de Valdez. Si tu t'en vas, je vais avec toi. Non, Jamie. Nos routes sont différentes maintenant. Tu dois vivre ta vie. Thank you.
my troubles, all my strife. Tried to build a better life, to live, to live. Crumbles round in hate and fear. Man's the king of all he sees, and my kingdom is my horse and me. Till the day a stranger comes and wants my kingdom in the sun. That day, freedom is on a road.